Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Days Gone. Et nous en sommes à l'épisode 19. Ça avance très vite. C'est parti, un casque ou des écouteurs. Plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire ou à manger. Et on continue directement là où on s'est arrêté. Direction la suite de nos aventures avec Deacon. Allez, on est reparti, nous voici à la sortie du camp d'Iron Mike. Hey Ricky, direction notre mission à faudrait que tu me couvres, on va se demander pourquoi je suis pas en train de traballer des cadavres de mutants ou je sais pas quelle connerie. Est-ce qu'on peut passer par là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Boozer, je sais pas trop. Oh, il neige, incroyable. Il est déprimé, un truc comme ça. Demande à Addy, je crois que j'ai un moyen de lui remonter le moral. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Tu sais que je pourrais retourner au Mont Léry pour récupérer sa bécane. Hey, ça fait une sacrée trotte à pied. Je me débrouillerai. Alors, tu veux bien me couvrir ou pas? Ouais. Merci, Ricky. Terminé. Ok. Bon, première fois qu'en termes de météo, il neige, donc ça c'est plutôt cool. Honnêtement, c'est vraiment sympa. À voir si la neige va rester, mais ça peut être très fort. Comment ça va, Franck? On chasse toujours les hélicos? Ouais. T'as compris ce qu'ils trafiquent? Pas vraiment. Je pense qu'O'Brien dit la vérité. Le Nero lance des missions de terrain pour étudier les mutants. Faut pas savoir pourquoi. Mais je dois te laisser. Schizo est passé, il a dit que j'allais péter de la merde toute la journée. Dis à Schizo qu'il fait chier le monde. Ouais, je transmettrai. A plus. Ok. Allez, direction la suite de notre story. J'ai préféré qu'il termine pour pas qu'il me répète la même chose dans 2 ou 3 minutes. C'est parti, putain, mais c'est incroyable, il neige. Ça serait ouf que ça fasse une pellicule de neige et qu'il reste, ça serait vraiment ouf. O'Brien, j'ai atteint l'une des balises. Celle près du camp Creek, il y a vraiment rien ici. Attendez. Ok, un agent de terrain va pas tarder. Vous savez quoi faire? Terminé. Ouais, je connais la musique. Essayez de pas me faire trouer la peau en jouant les espions pour vous. Terminé. Non mais attends, Deacon. Putain, mais tu Deacon. Ah, excellent. J'adore le mot. C'était quoi ce bordel? La dernière fois qu'on a parlé, on aurait dit que vous étiez c'est en train gratuit, de chier dans votre combi. C'est rien, je vous l'ai dit, certains de mes supérieurs veulent pas qu'on apprenne ce qui se passe. Je me rapprochais trop de la vérité, il fallait me faire prendre. Vous savez quoi? J'en ai rien à battre. Tout ce que je veux, c'est des informations sur Sarah. Whittaker, j'ai mis quelqu'un dessus, mais ça va prendre un peu de temps. Il va falloir vous armer de patience. Ah ouais? C'est pas comme si j'avais vraiment le choix, hein? Ce groupe de recherche fait partie de mon unité. Je pourrais pas les suivre après cette opération. Je voudrais que vous... Placiez un traceur sur l'hélico. Ouais, je vous le dis. Oh, et vous voulez que j'espionne les types en combi? Autre chose. Et voilà, de bons petits soldats marchands, pas loin. Regardez-moi ça. Ok. Je vais faire combien d'hélicoptères? J'ai déjà fait 4 raids, putain. Bon, c'est cool parce qu'on en apprend, mais quand même. Oh, bordel. Ok. Qu'est-ce que c'était? Hé, quelqu'un a entendu? Ah putain, mais ça fait une pellicule de neige, mais c'est incroyable. Mais c'est insane. Alors, attendez. Si je puis me permettre, je crois que la météo, c'est programmé. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du aléatoire. Ils veulent nous faire croire, mais je pense que c'est en fonction du nombre de jours écoulés. Je suis sûr que tous ceux qui ont fait le jeu, au 780e jour, il a commencé à neiger pour une ou deux semaines, ou j'en sais rien, 3-4 jours dans le jeu. J'en suis quasi persuadé. Mais c'est stylé, hein. Je dis pas, hein. Mais à mon avis, tous les X jours, il neige et ça fait vraiment une pellicule sur la map. C'est insane, vraiment, vraiment stylé. Yep. Va voir là-haut, gros. J'ai entendu un truc. C'est parti. Terrain 2069.
Un autre spécimen présentant la morphologie d'une infection de stade 2. Les tendons des mains et des doigts sont moins crispés et les ongles ressemblent moins à des griffes, comme rongés. En outre, le sujet porte des bijoux et ses vêtements sont très peu abîmés, ce qui... Pardon, pas pu m'empêcher d'entendre. Ah, notre troufion ex-étudiant en biologie. Ouais, c'est un peu ça. Donc il porte des bijoux. Qu'est-ce que ça a de si exceptionnel? Ces machins se trimballent depuis 2 ans, à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Et alors? Mettez une montre à un babouin pendant 2 ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous voulez revenir. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc? Donc ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise... Mise récemment. Merde alors, je croyais qu'ils étaient tous... Complètement barrés? Oui. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité, les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduelle. Sans déconner. Sans déconner. Regardez ces vêtements. Ils sont... Presque propres, oui. Enfin, pas propres, mais les mutants sont généralement tellement couverts de merde et de pisse. Ouais, c'est dégueu. Oui, ben là encore, mettez un pantalon à un babouin. J'ai déjà demandé pourquoi il y avait plus de mutants dans les zones anciennement habitées. J'y avais jamais pensé. Mais ouais, c'est vrai. Ouais. On pense qu'au fin fond de leur tête complètement déformée, il pourrait y avoir quelque chose qui se souvient de ce qu'ils étaient. Putain, pourquoi ils sont conscients d'eux? Non, non, on a fait les scanners. Ils sont en état de mort cérébrale. Enfin, complètement parlant. Ça veut dire quoi? Putain. Ce que ça veut dire, c'est que chaque matin, les mutants se lèvent, prennent une douche, s'habillent, mettent leur montre en or préféré, disent au revoir à leur femme, sortent pour une nouvelle journée de repas à base d'humains, et se chient dessus. Pourquoi ces types perdent leur temps avec de la merde? J'espère que vous avez tout entendu, O'Brien. Bon, il ne reste plus qu'à filer d'ici. Mais en vrai, c'est assez insane. Ça veut dire qu'il s'est équipé de bijoux récemment. Oh, regardez! Une seconde. La neige commence soit à fondre, attendez. J'ai posé le traceur. Oh, l'arbre qui couvre les flocons de neige. C'est un homme ou une femme? C'est incroyable. Il y avait pourquoi un testeur, je vous jure. C'était un homme ou une femme? C'était une femme et non, j'ai pas entendu son nom. Ok. Je vous recontacterai. Terminé. Non, alors là, vraiment... Là, je tiens à applaudir le côté, l'effet météorologique de la chose, réellement et sincèrement, parce que c'est insane. J'étais sous un arbre, ça prenait les flocons de neige, et donc à cet endroit-là, bah, il n'y avait pas de couche de neige. Non, vraiment, très très fort. Très très fort. Ok, on va réparer la moto. J'ai peu de ferraille qui traîne. C'est parti. Et direction la suite de notre... aventure. Avant cela, on va quand même se mettre, bougez pas, notre point de compétence. Et on va attaquer un petit peu, enfin, les points de compétence de combat. Alors, augmente les dégâts infligés avec une arme de mêlée. Capacité à effectuer des combos plus longs avec des armes de mêlée. Et régénère l'endurance à chaque ennemi tué au corps à corps. J'irais ça, hein, capacité à effectuer des combos plus longs. Ça me paraît clairement mieux. Parce que Dieu sait que j'utilise ce R2. Ok, on verra. Oh, attendez. Suis-je fou? Il me reste un point de compétence? Non, pas du tout. Allez, direction la suite de notre quête. Et vraiment, je suis encore un petit peu sur le cul. Alors, évidemment, mettez si vous pouvez en 2K la vidéo. Parce que, vous ne subirez pas le rendu atroce de YouTube. Mais, en tout cas... Ouah putain! Ouah putain, on réfléchit plus les gars là! Oh damn! Oh j'aurais dû amener la horde. Oh ça aurait été tellement drôle. Ouais non là faut pas réfléchir. Attends, je peux le faire encore. Regardez la neige quand on freine. Non c'est bon, il n'y a plus la neige. Non mais tout est insane en vrai. Tout est insane de ouf. Je suis choqué, hein. No joke, les gars, je suis encore sur le cul, hein.
Donc, est-ce que c'est en fonction du nombre de jours écoulés? Est-ce que c'est en fonction du moment dans l'histoire? Je sais pas. Voilà, mais en tout cas, dites-moi ce qu'ils ont fait le jeu. Si au jour 780, vous avez eu la neige, parce que chapeau bas melon et bottes de cœur, si je peux me permettre cette petite expression. Hop, chut, t'es bon. Ça dégage. On va passer par ici. C'est les pires chemins qu'il faut emprunter. Ça commence à devenir très vite chiant. Cette petite histoire. On va passer par là. Voilà. Ensuite, on va passer par ici. Ok. J'aurai assez d'essence. Bougez pas, faut que j'aille où avec cette connerie là. Oh oui, il y a une station. Oh putain, damn. Ok. Allez, on va aller au carburant ici. Ah, la neige qui fond. Ça, attends, c'est bon ça. Hop. Excusez-moi monsieur. Hop, vous me poussez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus aucun maîtrise de ma moto. Ok, non c'est bon, la neige repart. Ah, ça tombe beaucoup moins de ce côté là. Très bien. C'est pas mal, c'est pas toute la carte qui est couverte. Quoique. Ah putain, mais j'ai... Ah si. Ah, je sais plus ce que je dis. Ah, mais je suis tellement choqué, je suis tellement surpris. C'est par là. C'est à 700 mètres, on a notre station essence. Et on va pouvoir retourner à la base. On va d'ailleurs aller voir s'il neige aussi de ce côté de la map. Est-ce qu'il a cet abruti là? Mais t'es abruti? Ah! Yes! Trop bien! Aïe! Allez, hein, hop! Bon. Hop, voilà, j'ai fait le tour de son corps. Il m'a touché! Voilà! Allez, ça dégage! Eh, les racailles là! Putain! Sérieusement, les gars? Attends, mais il y avait de la neige, ça a déjà fondu. Par contre, ça fond super vite. Bon. Réparer le moteur. On va le faire. Ça me casse les couilles. Trois de ferraille, 6 de ferraille. Ça m'a coûté une blinde. Hein. Ça m'a coûté super cher, cette putain de connerie. Hein. Ce vieux David Guetta-Pan. Commence à casser les couilles aussi. Hein. Ok. Allez hop, l'essence direct dans la moto. Ah, fais chier. Allez, régale-moi. Ça y est. Voilà. Bon. Eh ben, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire clairement une TP rapide. Je vous dis à tout de suite. Quoi? Mais putain! Recharge, allez. Wow. Ok. Sérieusement. Non mais je putain, je me fais des envies gratos, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fout là? Ok, carreaux spéciaux. Hop, voilà, on fait tout. Nickel. Bon, je vais récupérer un petit peu de... Voilà, de bois. Et ben, en tout cas, c'était bien chiant, cette petite histoire. Là, on va les fouiller, regardez. Du kérosène, de la ferraille. Ça, je prends tout. Avant de continuer cette mission de mort. Beaucoup de kérosène par ici, ça fait plaisir. On a un bidon d'essence. Je vais en profiter. Essence gratuite et limitée, on prend. Ouais, mais alors, ma moto, je fais quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, les gars? On avait bien besoin. Ah, je vais devoir laisser ma moto là? Ah, c'est compliqué, hein. C'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Hé, hey, je t'ai ramené un truc. Je rêve ou quoi? Tu t'es retourné chercher ma moto? Je voulais pas que Coop la récupère et la désosse. Putain, Dick. Eh, hey, c'était seulement au cas où j'aurais besoin de pièces, c'est pas comme si ça allait te servir. Merde. Merci, mec. S'il y a bien un truc qui me manque, c'est de conduire ma bécane. Mmh.
putain. Dick, Adi m'a juste demandé de te dire qu'elle avait payé des gars pour aller récupérer ta bécane. Ils l'ont déposée chez le mécanicien. Attends, quoi ? De rien, Dick. Terminé. Conduire ma bécane, la confiance aussi qui monte, et c'est mon frère, apparence personnalisée débloquée. Oh ! On va pouvoir pimper, putain, notre moto, et ça, c'est cool. Alors, deux, trois petits trucs. J'ai lu les commentaires lors du précédent épisode où je vous disais que Deacon manquait malheureusement, cruellement, de charisme, qu'on le veuille ou non, en tout cas de personnalité. Et vous étiez certains à me dire, bah écoute, B-Boy, moi j'ai terminé le jeu et tu verras vers la fin, Deacon, c'est incroyable le charisme qu'il a. Le problème, et c'est là que je vais vous couper, c'est que quelqu'un ne va pas acheter un jeu, y jouer pendant 60 heures pour enfin tomber amoureux du personnage principal. Un personnage principal doit évacuer un charisme bien plus fort dès le début. C'est là où les développeurs ont totalement, entre guillemets, merdé à ce niveau-là. C'est que, très clairement, ça met trop de temps et c'est un petit peu terrible à ce niveau-là. Il faut que ça aille bien plus vite. Passer. Voilà. C'est pour ça que Deacon, il manque cruellement de charisme, qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'à la fin du jeu, ça changera, hein, vis-à-vis des événements. Mais c'est pas des événements qui doivent offrir du charisme à un personnage principal. Voilà, donc c'était pour la petite explication. Hein. Je vous fais confiance, ça sera sûrement très bien à la fin et on aura beaucoup plus de charisme. Mais en attendant, eh ben on n'y est pas. Et c'est bien ça le problème. Alors, on a une mission chasseur de maraudeurs, parler à Ricky. Donc on va le faire. Par contre, ça a l'air d'être une mission un peu obligatoire pour avoir la suite de notre mission principale. Et c'est là que ça fait peut-être un petit peu peur. Donc on y va. C'est là, chasseur de maraudeurs. Moi je collectionnais les chaussures et mon mari les autres. Dick, un groupe d'hommes a débarqué en moto et a tiré sur les portes. Comme on n'a pas ouvert, ils se sont barrés. Oh merde, dans quelle direction? Vers l'ouest. Mais ils sont pas allés bien loin. Ils se sont installés au nord d'Eden Hill. Je pense qu'ils préparent une nouvelle attaque. Du coup j'aimerais que t'ailles jeter un œil. Ok, c'est noté, je m'en occupe. Merci Dick. Ouais. Très bien, on n'a pas trop le choix, hein. Pour être très honnête avec vous, on va devoir faire à mon avis cette mission pour enclencher le reste. Ricky, elle est assez fâchée, donc on y va, ils doivent pas être bien loin, à mon avis c'est par où. Ça c'est horrible, hein. Le camp d'Iron Mike, il est terrible pour aller à la sortie. C'est par ici ou pas? Ouais, ça a l'air d'être par là. Oh putain, par le pont de mort là. Ok. Alors, au lieu de tirer sur les portes, s'ils avaient fait le tour, il y avait juste un garde ici. Tu le désingues et on n'en parle plus. Hein. Allez, on y va. Direction notre mission secondaire. C'est un ours. Totalement un ours. Putain, mais attends, c'est quoi cette connerie? Il y a des ours, des mutants. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah, j'aurais peut-être dû faire le plein de nuit, si on va compter. Ça va être fort dommage. Saint John, ici Marc Copland, Deacon Saint John. Eh, hey, quoi neuf? Je prends juste des nouvelles. Les hommes à moi étaient au mont Léry l'autre jour. Ils disent avoir trouvé un refuge dans une tour d'observation des eaux et forêts. Tu m'en diras tant. Ouais, monsieur, c'est ce qu'on m'a dit. Camp ennemi. Ah! Ok, Ricky, je suis tout près d'Eden Hill. Et ouais, les drifters sont toujours là. Tu peux t'en charger? Voilà. Ah, moi les primes. Bon. Alors, j'imagine qu'on va vite le découvrir. Terminé. Ok, ok. Bougez pas. On va attacher un silencieux. Et c'est parti. On va essayer de tous les désinguer. Sachant que dans des camps, il y a la plupart du temps un fucking bunker. Ok. On va essayer d'y aller en infiltration. Putain de merde! Sérieux, c'est tout ce que vous avez? Ok, c'est mort, hein. L'infiltration, très très bien. C'est comme le riz, les gars.
Je comprends pas pourquoi ça a pas. Il y avait pas de silencieux en fait. J'ai pas pigé. Ok, cascade. Hop. Bonjour madame. Te voilà. Oh merde. Hop. Allez. Hop. Merde. Oh. Matez le calibre. Allez hein. Plantez-vous. Hop. Et toi. Allez, allez, monsieur est gourmand, je peux comprendre. Allez, voilà. Soyez pas timide. On va prendre ça, son pied de chaise. Tiens, alors, on va faire un arrêt ici, bousiller les lieux. Je crois qu'il est temps de dégager. Ok, c'est fait. 4 sur 8. Il m'en reste 4, ça peut être les plus chiants. Ok, il y en a 2 cachés ici. Un caché là. C'est horrible, hein. Je suis désolé de la visée que je vous propose. Je suis beaucoup plus chaud sur PC, hein. Hop. Allez, joystick, on n'a plus l'habitude. Pas le temps de se trouver des excuses. Allez, vous pouvez faire mieux que ça. Voilà, c'est fait. Enfin. Hop, on va fouiller. Je te tiens. Vous êtes encore combien? Et... Hop, petite cascade. C'est une micro-cascade. Ne pas reproduire chez vous, ça peut faire très mal aux chevilles. Et lui, normalement, il commence à oublier que tous ses potes sont morts. Hein. Aucun souci là-dessus. Hop, micro-cascade aussi. Ok, on a un mort-vivant. Ok. Il m'a amoché, elle a dit. Hein. Quand tu reçois une balle, crois-moi, tu dis pas il m'a amoché. Ça y est, c'est tout. Oh non, merde, encore un. Ok. Elle avait quand même 3 ferrailles, c'est pas rien. Ok, je crois que c'est tout. Et ben voilà. Ça s'est fait. Normalement, il y a un bunker pas très loin. On va essayer de le chercher, ma foi. Aucune idée d'où il peut être, par contre. Ok, sûrement pas par ici. Peut-être là-haut. Saint John, ici Marc Copland pour Deacon Saint John. Ah putain, il est reparti, lui. Eh, hein. Hey, Cop, quoi de neuf? Je prends juste des nouvelles. Les hommes à moi étaient au Mont Léry l'autre jour. Ils disent avoir trouvé un refuge dans une tour d'observation des eaux et forêts. Demandez un temps. Ouais, monsieur, c'est ce qu'on m'a dit. Oh, bordel. Apparemment, il était abandonné. Mais tu vas rire. Ceux qui vivaient là ont laissé une bécane. En bon état, en plus, à ce qui paraît. Sérieux? Ouais, sérieux. Mais c'est pas ça le plus drôle. Figure-toi qu'aujourd'hui, ils sont retournés chercher cette fameuse bécane. Et qu'elle avait disparu. Ah. C'est quand même pas banal. Écoute, Cop, c'est fascinant tout ça, mais... Non, non, attends. Voilà le plus fascinant. Ils m'ont juré que cette vieille bécane, eh ben, c'était le portrait craché de celle de Boozer. Alors si je comprends bien, vous êtes allé sur le mont O'Leary, vous avez trouvé ce que vous avez cru être la bécane de Boozer, ah, et la première chose qui vous soit venue à l'esprit, c'est « et si on allait la faucher, c'est ça ?» La récupérer, Dick, la récupérer. Et non, c'est la deuxième chose qui me soit venue à l'esprit. La première, c'était « qu'est-ce qui est arrivé à ce bon vieux Boozer ?» Andy me dit que ça fait un moment qu'il l'a pas vu. Je sais pas, Cop, mais quand je le verrai, je manquerai pas de lui dire qu'il te manque. Terminé. Ok. Où est le bunker? C'est fort embêtant, on m'a dit que dans chaque camp d'ennemis, il y avait un bunker. Mais là, j'en vois pas spécialement. On va tâcher un silencieux aussi. Voilà. J'ai peur. Ok. J'ai du miel au cul ou qu'est-ce qui se passe, les gars? Il n'y a pas de bunker, hein, de toute évidence. Hein.
En tout cas, pas ici, je pense pas. Hein. Bon, allez, je fais peut-être une bêtise à partir aussi vite. Mais très sincèrement, pour 8 gars, être récompensé d'un bunker, j'y crois moyen. Je vais être franc avec vous. Donc, on se casse. Direction notre moto. On a terminé la mission. Donc, on a fait plus qu'il n'en faut. Ouais, non, je pense pas qu'il y ait de bunker, hein, sincèrement. Hop. Non, bah, attends, on va pas abuser quand même. Allez, on y va. Hop. Ok. J'ai plus qu'à contacter Ricky. Faut dire que c'est réglé. Dylan, comment ça s'est passé? C'est réglé. Nous irons plus aucun camp. Pouf, Dieu merci. Je vais le dire à Iron Mike. Tu sais, si tu continues comme ça, Mike et toi, vous allez devenir de super potes sans même que tu t'en rendes compte. Salut, Dick. Ok. Je commence à désespérer. Dick, t'as retrouvé les types qui ont flingué le portail et qui se sont tirés? Salut, Mike. Oui, je les ai retrouvés. Et ils sont pas prêts de revenir. On dirait que ça empire, non? Le nombre de squatteurs et de drifters qui se pointent ici, sans vouloir t'offenser. Non, t'inquiète. Mais t'as raison, Mike. Ça empire. Je sais pas. Je crois que c'est comme ce que tu disais avec les touristes californiens, qui se pointaient tout le temps ici. Si j'avais le choix, ouais, je préférerais être ici plutôt que là-bas. Ouais, j'imagine. À plus tard, Dick, terminé. Ok, vous pouvez me donner une mission, s'il vous plaît? Est-ce que ça devient fort ennuyant? Bon, ok, bah ils sont pas décidés à me donner une mission, donc vous savez ce qu'on va faire. On est où? Très bien. On va aller... Voyage rapide impossible pendant un affrontement. On va aller ici, tout simplement. Parce que sinon, on va jamais avancer, je comprends pas. On attend qu'il donne une mission. Je vous dis à tout de suite, dès que mon tatou avec lui résonne. Nicole, tu me reçois? Ouais, Adi, quoi de neuf? Tu pourras passer par l'infirmerie quand t'auras de temps? Y'a un problème? Non, je te parle, s'il faut. Et ben voilà! Ouais, ok. On l'a, notre histoire principale! Ah, c'était compliqué, hein! Tu es son ami. Très bien. Eh ben écoutez, on va voir un petit peu ce qu'elle a à me dire. On va rejoindre Adi! Et on va surtout s'arrêter là, parce qu'on est à la bonne demi-heure. Je vais enchaîner, histoire que vous ayez l'épisode relativement rapidement. Allez! À bientôt tout le monde! Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao!